le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Singyun. Vivre selon la voie du milieu est le seul moyen de résoudre les problèmes du monde des hommes. Après son éveil, il annonça aux hommes du monde que seule la vie selon la voie du milieu, en quittant les extrêmes peine-joie et l'existence-inexistence, pouvait résoudre les problèmes du monde des hommes tels que la vie, les sentiments, le savoir-vivre, et etc. Bouddha prêcha le Dharma durant 49 ans, tenant ainsi plus de 300 séances. Son objectif? Informer, expliquer, susciter l'intérêt et apporter la joie aux hommes de la société Sutra du Lotus. Et c'est aussi grâce à l'enseignement bienveillant et compatissant de Bouddha que le bouddhisme peut entrer dans le monde des hommes. Le bouddhisme est à l'origine l'enseignement de Bouddha aux hommes du monde. C'est pour résoudre les problèmes des hommes que Bouddha a appris la résolution de renoncer à la vie moderne. Tous les enseignements de Bouddha ont pour but d'accroître le bonheur et la joie des hommes. C'est pourquoi le bouddhisme est en réalité le bouddhisme du monde des hommes. Le bouddhisme humaniste est en effet l'intention première de Bouddha. Tous ses enseignements relèvent du bouddhisme humaniste et le bouddhisme humaniste représente l'intégralité du bouddhisme. Étant donné que le bouddhisme c'est le bouddhisme humaniste, pourquoi devons-nous encore dévoiler spécialement le bouddhisme humaniste? Pourquoi faut-il évoquer spécialement le mot humaniste? L'explication est en est que Bouddha nous a quittés il y a plus de 2600 ans. Durant cette longue étape de propagation du bouddhisme et à cause de nombreux facteurs humains, notamment les divergences d'opinion des disciples sur les doctrines et les préceptes instaurés par Bouddha, différentes écoles et courants de pensée virent le jour. Toutes ces divisions interdirent l'union et la coopération au sein du bouddhisme et entraînèrent de nombreuses difficultés contrariant son développement. En outre, après que le bouddhisme soit arrivé en Chine, et à cause de facteurs politiques et sociaux, le bouddhisme se retira graduellement vers les endroits isolés, devenant ainsi un bouddhisme de retraite. S'y ajoutèrent les prêches de certains maîtres qui enseignaient le dharma d'un point de vue strictement monastique, insistant exagérément sur des pensées transcendantes et niant souvent les besoins matériels et sentimentaux de la vie réelle. C'est ainsi qu'ils qualifiaient l'argent de serpent venimeux quand ils parlaient de la richesse. Pour eux, c'est parce qu'ils sont ennemis que les époux se rencontrent et les enfants n'étaient que des sources d'entêtement. Parce qu'ils n'attachaient aucune importance à la vie quotidienne, le bouddhisme traditionnel fut progressivement marginalisé par la société des hommes. Aujourd'hui, nous voulons ramener le bouddhisme humaniste aux intentions premières de Bouddha dans l'espoir de remettre en ordre les enseignements de Tathagata et d'étudier de nouveau les intentions premières de Bouddha quand il prêchait le Dharma. En préconisant le bouddhisme humaniste, nous espérons réellement prendre en main l'enseignement fondamental et l'esprit libérateur de Bouddha et par la même occasion, unifier toutes les opinions pour permettre au bouddhisme de revenir dans le monde des hommes. Car c'est l'unique moyen pour pouvoir introduire radicalement les instructions de Bouddha dans la vie quotidienne afin que tout un chacun puisse acquérir bonheur et perfection grâce à la compréhension et à l'application du Dharma. Telle est l'intention première de Bouddha, venir au monde pour prêcher le Dharma.